Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Et bonsoir tout le monde, je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle soirée dans la boîte. J'espère que tout le monde va bien et mieux que ma voix, qui je l'espère tiendra pendant une heure. Amandine Ferron est parmi nous. Alors elle en a surpris plus d'un en voyageant vers le Kirghizistan pour écrire « Dernier fragment d'innocence ». C'est aux éditions Memory. Une bourse de la Sabam en poche. Elle souhaitait utiliser les odeurs, les couleurs et les animations des villages kirghizes comme décor pour son intrigue policière. Amandine Ferron nous ouvre ce soir les coulisses de cette incroyable expérience. Le dépaysement, il est assuré. Mais avant d'en parler, on ne change pas une bonne vieille habitude. Je vous propose de faire connaissance avec Amandine, que vous voyez déjà grâce aux six faces de la boîte et au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Bon amusement à tout le monde. Bonsoir Amandine et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Fred. Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Alors, si tu étais, on va commencer tout de suite, un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi, en quelques mots? Un livre de chevet, je serais sans doute « J'irai cracher sur vos tombes » de Boris Vian, parce qu'il, on va dire qu'il reflète bien toute la rébellion dont j'étais pourvue quand j'étais adolescente, et je trouve que c'est le livre dont on ne sort pas indifférent, et pour lequel les dernières lignes nous créent un vrai choc et nous mettent une vraie baffe. Et puis, j'aime beaucoup Boris Vian en général. C'est un artiste accompli qui était écrivain, qui était musicien, qui avait un parcours et des idées politiques revendiquées. Et j'aime ce genre de personnage entier. Si tu étais un format de livre, poche, grand format, e-book, audio, lequel choisirais-tu? Je crois que je serais le format poche, juste pour le côté référence. Enfin, je vais dire, quand un livre sort en version poche, ça veut quand même dire qu'il a obtenu un beau succès et qu'on décide de le réimprimer sous un autre format pour qu'il soit accessible à tous. Et j'aime ce côté de prix démocratique pour le livre. Si tu étais une maison d'édition. Si j'étais une maison d'édition, je crois que je serais une petite maison d'édition familiale et conviviale dans laquelle on peut communiquer avec son éditeur facilement, ce qui permet d'avoir un lien et non pas d'être le numéro 328 de l'éditeur 84 de la maison d'édition parisienne Lambda. Si je dois citer un nom de maison d'édition si ou ça va? Si tu en as envie, mais tu n'es pas obligé. Je crois que pour le moment, je suis fort bien chez Memory. Je trouve que les choses se passent bien, qu'on a un bon rapport avec les éditeurs, qui font des petits événements sympas pour permettre aux auteurs de se faire connaître. Et voilà, ils sont fort connus dans la province de Luxembourg. Ça va se refléter, ça va sans doute prendre progressivement dans les années à venir. Si tu étais un rayon dans une librairie, Alors, je serais sans doute le rayon thriller, donc dans les romans, j'irais directement dans le rayon des romans noirs, des romans thrillers, pour le côté suspense incroyable et le côté recherche intellectuelle. Si tu étais un personnage. Ah, un personnage de roman, un personnage de série télé, il y a une préférence ou... C'est toi la chef, comme tu veux. C'est moi la chef. Ok. Si j'étais un personnage, je crois que je choisirais... Là, c'est vraiment une colle. Hein. Je réfléchis en même temps que je parle pour meubler un petit peu parce que je suis vraiment en pleine recherche. Et tu peux utiliser ton joker, mais tu n'en as qu'un. Et donc... Oui, et vu que je ne sais pas ce qui m'attend après parce que je te connais quand même un minimum, je préférerais pouvoir répondre à cette question. Tu vois? Mais je vais choisir une réponse... facile et difficile en même temps. Si j'étais un personnage, je crois que je serais le personnage que je n'ai pas encore créé et qui viendra dans un prochain roman parce que il sera une partie de ma personnalité de ce moment-là, une partie des reflets de ce que j'ai autour de moi et ça m'intéresse de savoir ce qui va arriver plus tard. Si tu étais un temps de conjugaison. Le subjonctif imparfait, juste pour embêter un petit peu les gens autour de moi, les faire réfléchir un peu.
Et faire... Je suis prof de français, hein, alors c'est vraiment sadique ce que je viens de dire. Mais oui, parfois je suis un peu sadique quand même. Parfois, tu l'as dit, le rayon thriller, hein, qu'est-ce que tu veux? On ne se refait pas. Ouais, c'est ça. Je peux pas Si mentir. tu étais la bande son de ton parcours d'auteur, Si j'étais la bande-son de mon parcours en tant tu qu'auteur. choisirais quel groupe, quelle chanson, quel Oh, style musical? je choisirais sans doute un style un peu pop-rock pour commencer. Et vous voyez une chanson qui commence à l'air de rien au début, très calme, avec peut-être juste un son de guitare, et puis on a un riff qui va donner, qui va accentuer le tempo sur la suite. Maintenant, je n'ai pas une musique en particulier qui me vient. Si tu étais un signe de ponctuation. Je serais le point. Le point, ça met fin à une phrase et en même temps, ça permet de reprendre quelque chose de nouveau après. Et en parlant de fin à une phrase, la petite dernière, si tu étais un verbe. Si j'étais un verbe, je pense que je serais le verbe vivre. Il faut une raison? Non. Pas spécialement, c'est une très belle réponse. Je pense que tout le monde la comprend très bien. Amandine, je te propose de prendre la direction de la question qui te déboîte. Les prochaines minutes vont nous permettre de prendre la route du Kirghizistan, que je ne me lasse pas de prononcer, et de découvrir ton dernier roman, Dernier fragment d'innocence. Alors pendant que je glisse subtilement les couvertures dans la chatroom et le résumé. Première question qui va te renverser par son incroyable originalité. J'ai un quota, je l'utilise. Est-ce que tu peux nous pitcher ce roman? Je peux vous pitcher ce roman, oui. Donc, Dernier fragment d'innocence, c'est un roman qui nous fait suivre deux personnages. Donc, on commence par suivre le personnage de Zoya, qui est une jeune femme on l'apprend, elle se trouve dans les montagnes et elle est en pleine transhumance. Dans ces montagnes, on se rend compte que elle n'est pas là pour le plaisir, c'est pas une recherche, c'est pas un développement personnel ou quoi que ce soit. Elle est vraiment là pour tourner le dos à son passé et tourner le dos à quelque chose de lourd qu'il a fallu oublier, qu'il a fallu absolument fuir. Un chapitre sur deux, on va se retrouver quelques mois plus tôt avec Gilles. Gilles qui va assister à la disparition de sa compagne. Et Gilles, qui est un homme qui a toujours eu besoin d'habitude, de structure dans sa vie, va se retrouver complètement déboussolé par cette disparition. D'autant qu'en Belgique, quand la disparition d'un adulte n'est pas inquiétante, on ne lance pas une enquête. Et donc, tant que la disparition de sa femme n'est pas inquiétante, Gilles se retrouve tout seul à devoir essayer un petit peu de comprendre ce qui s'est passé. Il va quand même y avoir un élément inquiétant qui va pousser les enquêteurs à prendre le devant, c'est que parmi les proches du couple, des têtes tombent. Et ça se passe à Liège. Certains quartiers de Liège se retrouvent face à des crimes assez sanglants. Et tous ces crimes pointent une seule et même personne, c'est Zoé, donc la femme de Gilles. Et nous n'en saurons pas plus pour l'instant. Alors, première question, elle est un peu évidente, mais je suis obligé. Pourquoi avoir choisi le Kirghizistan, et qui est, comme je vous le disais, très compliqué à prononcer, surtout quand on sort d'une extinction de voix. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce pays-là? Pour plusieurs raisons. Donc, il faut savoir d'abord que moi, dans mon parcours, j'ai fait un master en relations internationales, ce qui fait que je suis fort intéressée par la politique de certains États. Et comme vous le voyez sur la carte que Frédéric vient de mettre dans le chat, le Kirghizistan, il se trouve en fait entre des États très autoritaires. Donc, c'est un pays qui a une frontière avec le Kazakhstan, avec l'Ouzbékistan, qui sont quand même des États enfin, un gouvernement très très fort, avec la Chine aussi. Et pourtant, cette petite république, elle a toujours gardé un gouvernement aux apparences démocratiques. Je dis aux apparences, pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec la démocratie à l'européenne comme on la connaît chez nous. Mais malgré tout, vous avez un pays qui essaye de maintenir un état de droit, de respecter les droits de l'homme, d'avoir la possibilité de mener à bien des élections. Et c'est également un pays dans lequel la culture nomade a eu beaucoup d'influence sur la population et sur la manière de gouverner. Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la population est toujours semi-nomade. On ne peut plus parler de nomadisme complet
parce que ben, voilà, c'est un état avec une administration, il faut pouvoir donner une adresse où on est domicilié, etc., etc. Mais donc, les familles dans les villages vivent toujours au rythme des saisons, gravissent la montagne certains mois avec leurs troupeaux, redescendent à d'autres et vivent la plupart du temps donc, dans des yourtes qu'ils peuvent monter et démonter. Et ce pays est vraiment intéressant. Pourquoi? Mais parce que, étant donné que c'est un État qui cherche à s'ouvrir aux États européens, c'est un pays dans lequel il n'y a pas besoin de visa pour entrer. Ce qui fait qu'on peut, avec un passeport, aller faire du tourisme au Kirghizistan sans devoir passer par l'ambassade pour demander un visa, pour expliquer pourquoi on se trouve là-bas, etc. Ce qui fait que quand on veut faire disparaître un personnage, c'est d'autant plus facile que ce personnage n'ait pas besoin de faire des démarches pour entrer dans un pays. Donc ça, ce sont deux raisons qui m'ont poussée à choisir ce cadre. D'un point de vue tout à fait personnel, ben voilà, le Kirghizistan, c'est aussi les montagnes, une grande liberté pour la population, vu que, comme je vous l'ai dit, ils vivent majoritairement du nomadisme. Et c'est également un pays où les paysages sont magnifiques parce que vous êtes entre les montagnes, vous êtes entre les steppes, et vous avez voilà, toute l'année des choses à voir dans ce domaine. Je crois que ce sont les raisons principales pour lesquelles avoir choisi le Kirghizistan. Je crois qu'il y avait une autre raison aussi, c'est que c'est un pays qu'on connaît très peu. C'est un nom qu'on prononce pour la première fois quand on fait une interview avec Amandine Ferron. Donc forcément, ça permet aussi de surprendre les lecteurs et de vraiment appuyer sur le fait que le personnage veut disparaître. Elle veut disparaître au point d'aller dans un pays dont personne n'a vraiment entendu parler. Alors, une fois le projet en tête, tu as rendu un dossier à la SABAM pour obtenir une bourse de 1000 euros, je pense. Ça fait quoi quand on te dit oui, finalement? C'est assez exceptionnel parce que quand on renvoie un dossier à la SABAM parce qu'on apprend qu'il y a des bourses qui sont octroyées pour les auteurs, on le fait dans le sens bah, pourquoi pas. Donc on propose un projet, on se dit qu'à côté il doit sûrement y avoir des dizaines d'autres projets vraiment très sympathiques et très intéressants. Donc voilà, je ne connais pas les autres projets qui étaient en lice à ce moment-là, mais je sais que dans le jury qui octroyait la bourse, il y avait une dame qui s'appelle Barbara Abel et qui a décidé de défendre la construction de mon roman et l'intrigue policière. Et bon, voilà, moi on m'a dit que Barbara Abel était dans le jury et qu'elle avait défendu mon projet. C'était juste la meilleure reconnaissance qui soit, parce que au niveau des auteurs belges de thrillers, je pense qu'on ne fait pas mieux. Et le fait de Jamais entendu recevoir une parler d'elle. bourse. Je Non, plaisante, jamais, mais je plaisante. Bonjour Barbara, si tu nous écoutes. hein. Oui, enfin, voilà, donc ça c'était quelque chose d'extrêmement valorisant pour moi. Et ensuite, c'était intéressant de se dire, bah, tiens, la SABA me fait confiance, elle veut que j'aille jusqu'au bout de mon projet et elle est prête à financer ses recherches. Parce que l'objectif, quand on reçoit une bourse, c'est pas juste de se mettre 1000 euros dans la poche. Il faut vraiment pouvoir expliquer quel est son projet et en quoi on a besoin de cette somme pour aller plus loin. Donc moi, dans mon dossier de candidature, je leur avais dit que voilà, je parlais un chapitre sur deux du Kirghizistan, que c'était bien beau hein, avec Google Maps. Ça aide, c'est un outil génial à l'heure actuelle, mais sur Google Maps, on est vite limité quand même, hein, parce qu'on n'a pas les odeurs, on n'a pas les rencontres avec la population. C'est difficile de se mettre dans la peau des autres personnages qui vivent sur place, d'avoir la réaction, le souffle coupé quand on voit les montagnes en face de soi. Et donc, j'ai demandé à partir là-bas pour pouvoir justement écrire sur place, m'imprégner des lieux, m'imprégner des rencontres faites là-bas. Et c'est ça qui m'a permis de partir. Donc, on reçoit effectivement 1000 euros quand on a une bourse littéraire comme celle-là. Ce ne sont pas 1000 euros qu'on peut se mettre en poche, hein. Il faut évidemment pouvoir justifier les dépenses et justifier en quoi elles ont été utiles pour le projet. Et le fait que le projet aboutisse, c'est évidemment important dans le cadre d'une bourse qui est donnée à un auteur. Très bien. Si vous avez des questions par rapport à ça, dans la chatroom, vous n'hésitez surtout pas. Peux-tu nous parler de Zoya et de Gilles?
Ton voyage a-t-il fait évoluer tes personnages, puisque tu étais dans un contexte un peu particulier entre la Belgique et le Kirghizistan? Donc, est-ce que le fait d'aller là-bas a fait évoluer tes personnages? Est-ce que tu peux nous les présenter? Tu l'as un peu fait tout à l'heure. Oui. Au niveau du voyage, ça a fait évoluer le personnage de Zoya, donc le personnage qui part là-bas. Le personnage de Gilles, lui, il s'ancre quelque part de manière chronologique dans la ville de Liège actuelle et on suit avec lui l'évolution de l'enquête, tandis qu'avec Zoya, qui est au Kirghizistan, avec elle, on va remonter les mois. Donc on va revenir dans le passé, mois après mois, pour savoir exactement quelles sont les causes de son départ. Donc évidemment, ça m'a permis de faire évoluer mon roman. Et quelque part, le fait d'avoir choisi ce type de construction, ça a permis que le personnage de Zoya que j'avais dans les derniers chapitres puisse être un personnage qui a déjà pris ses marques sur place. Et au fil des mois, je pouvais vraiment retranscrire, moi, ma découverte des lieux, ma découverte de la population et ces petits éléments qui retiennent l'attention. Vous voyez les petites anecdotes quand on part en voyage qui rendent le voyage réel. Quand on vous explique que voilà, on a été en croisière, qu'on est passé dans les Caraïbes ou que sais-je, bah, c'est bien beau dans les séries, dans les films, super chouette. Mais quand on va vous expliquer que voilà, vous avez mangé une crevette sur le bateau et que ça vous a donné la tourista, mais quelque part c'est l'anecdote qui va rendre le voyage vrai, qui va le rendre réel. Bon, je choisis pas un exemple ragoûtant, hein, je suis bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que certaines expériences au Kirghizistan ont rendu mes personnages incarnés. Par exemple, le fait là-bas d'être au milieu d'un marché, donc le vrai marché kirghize, c'était quelque chose de très impressionnant pour une Européenne. Pourquoi? Mais parce que là-bas, voilà, vous avez des mottes de beurre incroyables, et dans ces mottes de beurre, il y a des traces de doigts partout, parce que les gens vont goûter le beurre avant d'en acheter. Et c'est quelque chose que chez nous, avec l'Afska, etc., enfin, jamais on ne pourrait avoir une trace de doigt, on ne pourrait pas goûter quelque chose sur les marchés. Or là-bas, c'est vraiment la coutume, on peut tout goûter. Si vous voulez des fruits secs, donc le Kirghizistan, c'est vraiment le pays des fruits secs. Ils sont fans d'abricots séchés, donc ils ont des abricotiers à n'en plus finir. Et vous pouvez les goûter tous. Et vous en avez des plus orangés, des plus rouges, des plus jaunes, voilà. Et on vous dit, ben voilà, celui-là, c'est comme ça, celui-là, c'est comme ça. Enfin, quand je vous dis, on vous dit que ta ta ta, sur les marchés, les gens ne communiquent qu'en kirghize ou en russe. Et je vous avoue que je n'ai pas appris le kirghize avant de partir. Je me suis mise au russe, mais je n'avais un russe que de secours. Donc j'ai beaucoup théâtralisé mes propos et je crois avoir compris ce qu'on me disait, mais j'en suis pas sûre. Vous avez les photos du marché qui apparaissent justement dans la chatroom et je crois que Fanchon avait une question. Je vais peut-être rebondir dessus. C'est une Quel est le plus excellente beau idée. souvenir de votre voyage, la petite chose qui vous a le plus touché? Voilà, ça fait un petit peu partie des anecdotes, etc. La chose qui m'a le plus touchée dans ce voyage-là, c'est une image. En fait, quand vous arrivez là-bas, vous avez la sensation de liberté qui est propre au peuple nomade jusque dans le fin fond des villes. C'est assez bizarre à comprendre parce que nous, quand on va en ville, quand on va à Bruxelles, quand on va à Liège, on a très peu de grands espaces. Que là-bas, Bishkek, la capitale, ils ont une notion d'espace immense. Donc vous voyez, vous n'avez pas de rue enfin, je vais dire avec un sens d'un côté et un sens de l'autre, vous avez d'office quatre bandes pour que les voitures puissent passer et de la place. Et il n'y a pas forcément de circulation, donc ça se justifie absolument pas. Vous avez des parcs énormes, majestueux, devant chaque musée, devant chaque placette un petit peu touristique, si je puis dire, c'est pas encore très très touristique. Vous avez des immenses espaces. C'est assez impressionnant et vous avez parfois une seule statue en plein milieu et tout un espace autour. Voilà, il y a une image qui le montre. Et tout est fait pour que vous soyez oxygéné, quel que soit l'endroit où vous êtes. Vous êtes en plein milieu de la ville, mais vous avez une possibilité de liberté, d'espace
qu'on ne retrouve pas chez nous. Même dans les villages, chez nous, j'ai l'impression qu'on a plus. On a un côté très rigoureux dans l'architecture, etc. Que là-bas, vous avez vraiment ce besoin de surface plane, d'horizon dégagé. Et ça, c'est quelque chose, en tant qu'Européenne, qui m'a surprise vraiment beaucoup. Je ne sais pas si Fred veut enchaîner avec une autre question, ou si Évidemment. j'attends, je vois que Nathalie écrit. Eh bien, en attendant que Nathalie nous écrive sa question, alors avec un dernier fragment d'innocence, tu entres sur le terrain de jeu des livres policiers. Maintenant que le livre est là, qu'est-ce que tu retires de cette expérience? Alors, ce que je retire de cette expérience, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est vraiment compliqué, hein, d'écrire un récit policier. C'est pas un truc hyper simple. Bon, je n'apprends ça à personne, hein, je crois, surtout pas à Monsieur Ernotte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'avais écrit des romans avant, mais je n'ai jamais pris autant de plaisir qu'à écrire un roman policier. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'était une énorme pression. Peut-être pas dans la phase d'écriture, mais dans la phase de publication, en tout cas, les lecteurs de récits policiers sont de très bons lecteurs. Ce sont des lecteurs qui ont l'habitude de lire ce genre-là et donc qui ont déjà décortiqué les rouages de ce type de livre. Ce qui fait que, à partir du moment où on sait qu'un auteur emploie toujours la même méthode pour venir au coupable, ben, à un moment donné, on n'a plus envie de le lire, quoi. On se dit, c'est bon, on a fait le tour, stop, on passe à autre chose. Et donc, ce sont des auteurs qui réfléchissent énormément et qui ont besoin d'être surpris. Et cet élément, il était indispensable. Avoir un retournement de situation finale qui puisse faire dire à tout le monde, ah ouais, mais moi, j'avais pas prévu ça, ou moi, j'avais imaginé ça, moi, j'avais imaginé ça, et ça, et ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut piéger à tout prix le lecteur pour que lui, il trouve son compte. Ce qui est sympa, quelque part, parce que c'est toujours sympa de piéger les gens de manière ludique, hein, évidemment. Et en plus, ça demande énormément de réflexion intellectuelle. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé devoir réfléchir à toutes les manières, à toutes les pistes à suivre pour permettre au lecteur de passer un bon moment, en fait. Et ce que je retiens, donc c'est la phase les débuts suite à l'édition du roman, c'est que j'étais extrêmement stressée. Parce que je répétais tous les jours, ouais, mais si ça tombe, ça marchera pas. Si ça tombe, les gens, ça va pas leur plaire. Ou bien, ils auront deviné. Et s'ils ont deviné, je fais quoi? Parce que quelque part, vous avez juste le regard de votre éditeur qui vous dit, bah oui, ça marche, c'est bien, ça, ce sera intéressant et tout et tout. Ok, c'est bien. On ne sait pas exactement toujours ce que le comité de lecture en pense, s'il y en a qui étaient pour, contre, etc. Ça fait partie des petits secrets de la maison d'édition. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une grosse pression de la rencontre avec le lecteur et du fait qu'il va lui juger le livre et juger que le genre fonctionne. Parce que si c'est un policier dans lequel on n'est pas surpris à la fin, c'est pas un vrai policier. Et ça aurait été vraiment dommage. Les premiers retours que j'ai eus ont été très 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 bons. Donc les gens étaient contents. Ils disaient qu'ils avaient été surpris, que ça marchait bien. Et ça, c'était mon premier soulagement de me dire que ça fonctionnait. Alors, on va, en attendant d'autres questions, je te propose que ben, on continue notre petit voyage. Et si tu as envie de jouer le rôle de la guide, ben, je te propose une chose, c'est que j'étais un peu cherché, tu l'as vu dans ton album Souvenir de ton voyage. Ouais. Si tu veux nous expliquer un peu, je vais mettre quelques photos, voir ce qu'on voit. Mais en gros, pour être concret, tu es parti combien de temps là-bas? Je suis partie 2 semaines. Si ça n'avait tenu qu'à moi, je serais partie beaucoup plus longtemps. Maintenant, il faut savoir qu'en été, il fait plus de 40 degrés, que c'est difficile de se déplacer sous 40 degrés dans des jeeps pour aller dans les villages, etc. Donc, il fallait impérativement, moi en tant qu'enseignante, que je prenne sur d'autres congés. Donc, on est parti pendant le congé de Pâques. Le congé de Pâques, c'était bien plus supportable au niveau de la chaleur. Maintenant, le problème, c'est que toutes les routes de montagne n'étaient pas forcément dégagées suite à l'hiver. Donc, on ne pouvait pas encore monter très haut dans les hauteurs parce que, ben, voilà, vous imaginez bien que ce sont plus des pistes, donc de boue plutôt que des routes. Et c'est
Bon, il faut faire le voyage en fonction de ce qu'on a. Donc déjà, moi, je voulais absolument aller à Talas parce que c'était le village dans lequel je faisais évoluer mon personnage. Et on m'a dit, bah oui, madame, pas de problème. Si vous voulez aller à Talas, il faudra 7 jours de voyage. Bon, bah, le Kirghizistan, c'est pas non plus 3 fois la Belgique, hein, il faut se rendre compte. Mais il y a des chaînes de montagnes, etc. Donc forcément, c'est pas évident d'aller d'un point A à un point B. Et ça, je ne l'ai pas su tant que je n'étais pas sur place parce qu'il n'y a pas suffisamment de récits de voyage par rapport au Kirghizistan. Je vous dis, c'est pas encore un pays très très touristique. Ça commence à le devenir parce que vous avez énormément de trailers qui vont au Kazakhstan, qui tout d'un coup passent la frontière du Kirghizistan pour aller marcher également. Mais c'est encore un pays très 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 très. Je vais dire, il est protégé du tourisme, de la mondialisation, etc. On a vraiment un petit cocon kirghize dans lequel on se trouve. Donc là, vous voyez une image dans les montagnes et les petites maisonnettes que vous voyez. Donc, soit ce sont des anciens containers qui datent de l'époque de l'URSS, soit ce sont des espèces de caravanes qui étaient utilisées par une certaine population nomade plutôt haut de gamme. Et vous voyez que ces petites maisonnettes, donc elles sont restées là, elles n'ont plus de roues forcément, elles sont sur des gros blocs. Et ce qui est comique, c'est qu'à certains moments dans les montagnes, il y en a qui sont reliées par un fil à de l'électricité, on ne sait pas d'où vient cette électricité, on ne sait pas jusqu'où elle va, enfin, c'est assez impressionnant. Enfin, en tout cas, il y a un câble électrique qui passe dans la petite maisonnette. D'où est-ce que ça donne vraiment l'électricité? On n'en sait rien. Mais ce sont vraiment des éléments intéressants parce que c'est des éléments qui datent de la période soviétique et qui ne servent pas à la population. Vous n'avez personne qui s'est installé dedans. Ce sont vraiment des lieux de passage dans lesquels les bergers peuvent se retrouver pour la nuit et dormir suite à une transhumance. Vous voyez qu'autour de ces maisonnettes, généralement, vous avez des petites barricades, enfin des espèces de petites barrières qui sont faites pour permettre aussi de maintenir le troupeau quand on arrive à ces endroits-là. Donc nous, à l'époque, pendant le congé de Pâques, quand on y est allé, c'est vrai qu'on a vu ce type d'habitation sans forcément avoir d'habitants dedans. Donc ça, c'est pour la première photo. Vous avez vu les photos du marché. Attends, parce qu'il y avait une Donc du petite question bazar de gauche. Fanchon, tant qu'à faire, on va les Ah oui. intercaler, qui demandait, est-ce Oui. que, donc tu as des personnages belges, entre guillemets, qui évoluent, mais est-ce que tu Oui. as pris des personnages de là-bas? Est-ce que tu as rencontré des gens, ça c'est sûr, mais qu'en as-tu fait en tant que romancière? Ouais, j'ai on a rencontré des gens là-bas, oui, effectivement. Surtout un guide qui était kirghize et qui avait le mérite de parler anglais. Un anglais très très très, très basique, mais ça nous permettait de nous comprendre. Et donc ce guide, il nous a permis vraiment de découvrir pas mal de choses et surtout de communiquer avec la population. Parce que comme je vous l'ai dit, moi j'ai appris le russe, mais c'est très chouette hein, d'apprendre le russe, de savoir dire oralement que je suis écrivain, que je suis ici pour terminer mon roman, et puis on vous demande en russe quel genre de roman c'est, et là vous vous retrouvez à faire des gestes un petit peu cons pour essayer qu'ils comprennent que c'est un roman policier, mais sans être sûr qu'ils ont compris, parce que finalement leur réaction russe, je ne la comprends pas non plus. Donc c'est difficile parce que quand on doit apprendre une langue de manière un peu urgente, on apprend des phrases toutes faites, etc., et on se dit on va s'en sortir quoi qu'il arrive, sauf qu'on n'apprend pas toutes les réponses potentielles, et là on se dit qu'on a encore bien du mal. Donc j'ai eu la chance de trouver un guide qui parlait anglais. Et ce guide nous a permis vraiment d'aller rencontrer la population, d'aller voir des sites importants du Kirghizistan. Et cet homme, il avait vraiment un faciès très typé du Kirghiz. Ça, je vais dire, il y a vraiment deux types de personnes. Donc le Kirghizistan, c'est une ancienne république turcophone et on voit qu'il y a toute une population qui a gardé vraiment au niveau du visage, du teint hâlé, etc., un style très qui se rapproche du style du Moyen-Orient, etc. Et de l'autre côté, vous avez vraiment toutes les personnes très typées avec les yeux bridés et le visage plus rond qu'on
qu'on pourrait imaginer avoir des racines plutôt chinoises. Et donc le guide qu'on avait eu quelque part, c'était intéressant parce qu'il avait ce visage très rond, ce visage un peu chinois, mais avec le teint très 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 hâlé, qui était le teint qu'on voyait plutôt chez des personnes avec un autre type de visage. Et c'était très comique parce que lui-même nous a dit que donc il y avait plusieurs types de populations, qu'il y avait plusieurs religions aussi dans la ville, qu'en fonction de la religion qu'on avait, on n'était pas enterré dans les mêmes cimetières, qu'on n'allait pas réaliser ses cultes au même endroit. D'ailleurs, il a absolument voulu nous faire visiter des cimetières de toutes les confessions kirghizes. C'était assez bizarre comme visite, mais bon, j'ai visité des cimetières là-dessus. Il y a des gens qui sont passionnés. Moi, c'était pas trop mon kiff, mais je l'ai fait. Et donc ce type, je l'ai réutilisé. Non, j'ai repris certains éléments de sa personne, son côté. Dès qu'on lui demandait quelque chose, ben, oui, il le faisait. Il réfléchissait pas quelque part. C'était un peu bête à dire, mais il était payé pour. Alors il faisait tout. On lui aurait demandé je sais pas. On aurait pu lui demander tout et n'importe quoi. On était là pour. Enfin voilà, j'étais là pour écrire un livre. Alors il pouvait m'emmener jusqu'au bout du Kirghizistan si je voulais. Et donc j'ai repris un petit peu les traits de cette personne dans un personnage en particulier qui est le personnage de l'homme qui vient prévenir Zoya, qui est un homme qui l'attend au village. Et donc il la fait complètement paniquer et la déstabilise complètement parce que elle ne sait pas si cet homme est là plutôt pour lui vouloir du mal ou pas. Voilà. Je vais enchaîner sur la question de Nathalie peut-être. Je t'en prie. Donc l'image du Kirghizistan que l'on peut avoir via Internet ou de la documentation est-elle fidèle à la réalité que vous avez découverte? Oui et non. Donc l'image du Kirghizistan qu'on peut avoir sur Internet ou dans certaines documentations, je trouve qu'au niveau des recherches qu'on peut en faire, on assimile le Kirghizistan à toutes les autres républiques en stan. Vous voyez Kazakhstan, Ouzbékistan, etc., etc. Et on tait énormément tout ce qui vient de la culture nomade. Enfin, si, on parle du nomadisme à notre échelle européenne, donc c'est-à-dire qu'on n'y connaît rien, en fait. On se dit qu'être nomade, c'est partir avec son petit baluchon, avec des moutons, et puis c'est tout. Et en fait, c'en est rien. Sur place, on est quand même au 21e siècle, là-bas, on vit un nomadisme du 21e siècle, chacun a son téléphone portable, il y a des lieux qui sont propices pour que les gens se retrouvent, puissent dormir, puissent aussi se soigner si besoin. Et ce que moi j'ai trouvé très très dommage dans ce qu'on peut en dire, c'est que on a une image du Kirghizistan folklorique. Donc c'est-à-dire que si vous recherchez des informations au niveau de la documentation, le premier élément qu'on va vous dire, c'est qu'il y a un sport national qui est un sport très très sadique, puisque vous avez une tête de chèvre qui sert de ballon, et vous avez des hommes sur des chevaux qui sont en train de se lancer cette tête de chèvre avec des grands bâtons. Alors ouais, ça fait tout de suite un truc un peu bizarre, mais voilà, ça fait partie d'un folklore ancien qui n'a plus rien à voir avec ce qui se passe là-bas. D'autant qu'on a aussi une image très insécurisée du Kirghizistan parce que il y a cette fameuse coutume comme quoi un homme peut voler une femme à une autre famille. Et donc il la mariera. Donc c'est-à-dire que si vous êtes une femme seule dans les montagnes, vous pouvez avoir un beau chevalier qui arrive, un beau cavalier sur son cheval blanc qui vient vous prendre par la taille et qui vous emmène chez lui et vous marie de force. C'est une image aussi un petit peu ancienne du Kirghizistan et à nouveau c'est une coutume de certains villages, dans certains domaines et qui est une coutume qui est ancrée dans des traditions qu'on ne peut pas comprendre de notre point de vue occidental, puisque pour nous, tout de suite, mariage forcé, violence, ceci, cela, ça a un attrait très, très péjoratif. Alors que quand on est allé au Kirghizistan, la première chose qui est assez impressionnante, c'est que vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est une république égalitaire. Vous avez une égalité homme-femme
qui est sans pareil. Vous avez des femmes qui ont été chefs de tribu là-bas, qui sont chefs de village. Vous avez historiquement des femmes qui ont mené la guerre, qui se sont battues contre l'envahisseur russe. C'est une société dans laquelle le matriarcat était important. Et donc, ça, on n'en parle pas, évidemment. Ça, on parle tout du folklore, des trucs qui nous choquent en tant que petits Européens, mais à aucun moment on va dire à quel point ce pays, il fait bien mieux que nous pour pas mal de choses. Au niveau du salaire homme-femme, mais évidemment, vous n'avez pas toutes les données qu'on a en Europe, mais là-bas, vu qu'une femme peut tout à fait être présidente de la même façon qu'un homme, il n'y a pas besoin de parité. De respecter certains chiffres pour faire valoir une parité officielle entre les hommes et les femmes. Enfin, je veux dire, ce sont des choses qu'on cache clairement, ou en tout cas, on ne s'intéresse pas au pays, alors que quand on va sur place, on se rend compte que c'est un pays hyper sécurisant. Moi, je ne me suis jamais sentie aussi à l'aise dans un pays. Pourtant, j'ai quand même voyagé pas mal. Enfin, je veux dire, je me suis jamais sentie aussi à l'aise quand je suis allée en Australie, quand je suis allée au Canada ou en Israël, au Kirghizistan. Je vous assure que vous pouvez marcher dans les rues à 22 h, il vous arrivera rien. Et les gens, quelque part, sont là pour veiller les uns sur les autres. Ça fait partie à nouveau de leur culture nomade et du fait que tout le monde forme une grande famille et le but, c'est pas de se tirer dans les pattes. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que j'en ai beaucoup dit par rapport à cette question, j'ai l'impression. Je vais encore mettre deux, trois petites photos. Tant qu'à faire, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, vas-y. Je ne sais pas si tu les vois. Donc là, vous voyez les yourtes et l'intérieur des yourtes. Donc il faut savoir qu'il y a des yourtes qui sont maintenant installées de manière sédentaire aux abords de la ville et que vous avez toujours des yourtes qui sont utilisées pour les voyages. Donc c'est les intérieurs des yourtes ou les intérieurs des restaurants, parce que la deuxième photo, c'était un petit restaurant. Ce sont toujours des endroits très très colorés. Vous avez énormément de tissus, d'assiettes multicolores, etc. Et alors, ce qui est très, très, très spécial, vous ne le voyez pas, enfin, si vous le voyez, si vous regardez vraiment comment la table est dressée, c'est qu'au Kirghizistan, on ne mange pas les uns en face des autres. Si vous y êtes en couple ou si vous y êtes par trois, vous mangez les uns à côté des autres pour partager votre assiette, pour être disponible aussi, pour que le serveur soit disponible pour venir en face de vous. Et ça, c'est sympa, en fait, parce que à aucun moment, quand vous allez dans un restaurant en Belgique, on vous installe l'un à côté de l'autre quand vous êtes en couple, par exemple. Vous êtes plutôt en tête à tête, comme on dit. Et là-bas, il n'est pas question qu'un couple se retrouve en tête à tête. On est vraiment l'un à côté de l'autre et le serveur peut ainsi venir faire son rituel du thé, qui est très important. Donc, vous avez une coutume au Kirghizistan qui demande à ce que le thé soit servi trois fois. Donc le serveur vient devant vous et il va d'abord verser une première fois l'eau du thé dans la tasse. Il va renverser ce thé dans la théière. Il va le faire une deuxième fois. Il va le faire une troisième fois. L'objectif, la symbolique, c'est de faire partir le feu. Okay. Le feu, c'est quelque chose qui est intéressant, mais qui détruit également. Et donc, il faut qu'on fasse partir le feu destructeur pour avoir uniquement le feu intérieur qui va nous nourrir, qui va nous réchauffer. Donc, ce sont des petites coutumes sympas. Et la première fois qu'on a ça en face des yeux, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Et puis, on pose nos questions. Et là, on a un petit peu de symbolique qui arrive. Et juste pour la petite anecdote, hein, vu que vous vouliez des petites anecdotes sympas. Quand on est allé au restaurant, donc c'était le petit restaurant typiquement kirghize avec uniquement de la nourriture kirghize, parce qu'on voulait absolument goûter ce qu'il y avait là-bas. Donc on pouvait, au niveau de la viande, on avait le choix entre mouton ou cheval. Hein, donc c'est ce qu'ils élèvent sur place. Donc il n'y a pas énormément, énormément de choix. Donc le soir, on mangeait du mouton, du cheval. Et vu qu'on était des touristes qui était là dans une période qui n'est absolument pas touristique, et de toute façon, il voit très peu de touristes sur l'année. Mais on était extrêmement bien servis, mais un peu trop bien servis, puisque à la fin du repas, on nous amène une petite liqueur traditionnelle kirghize, vu qu'on avait dit qu'on voulait goûter les spécialités locales. Et donc cette petite liqueur kirghize, c'est du lait de chèvre fermenté. C'est
Horrible. C'est vraiment, vous n'imaginez pas. Vous avez déjà certainement eu un bidon de lait caillé qui sent très très fort. Là, c'est du lait de chèvre caillé. C'est ce qui donne en fait un alcool. Okay. Eux, ils boivent ça à la fin du repas parce que ça permet de nettoyer, de, enfin bref. Et c'était absolument abominable. C'était horrible à boire. J'étais là-bas donc avec mon compagnon parce que il fallait quand même être plusieurs pour. Enfin, on ne va pas dans un pays qu'on ne connaît pas seul malgré tout avant de connaître ce qui se passe. Et donc, lui ne voulait absolument pas boire ça. Il avait la nausée dès qu'il avait goûté le petit verre. Et ce qui fait que c'est très très mal vu de laisser un cadeau là où on va et on nous avait fait ce cadeau-là. Donc j'ai dû affonner les deux petits shots de lait de chèvre et je n'en ai pas dormi de la nuit. Voilà. Donc. Mais Comme ça, vous avez l'anecdote, l'information la on voit plus. sur ton visage que tu t'en souviens très 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 bien. Oh ouais. Mais tu es prête pour Je Fort crois que vous ne Boyard pouvez même ou pas Koh-Lanta? imaginer. C'est bien. Ouais, non, en fait, vous voyez dans Fort Boyard quand ils leur font goûter des trucs vraiment horribles et dégoûtants, ça pourrait être dans Fort Boyard dans cette épreuve. Vraiment. Ça, je crois que je vais donner des idées à la production. Ça passe très très vite hein, quand on voyage. Il est l'heure de passer à la boîte blanche. Pour les gens qui découvrent nos soirées, c'est comme une carte blanche, mais dans la boîte. Notre invité prend donc les commandes pendant quelques minutes. Amandine, je te confie la salle. Fais-en bon usage. Merci. Pour la boîte blanche de ce soir, je voulais un petit peu sortir de l'écriture de Dernier fragment d'innocence. Pourquoi? Parce que quand Frédéric m'a dit que je devais imaginer, enfin que je pouvais parler de ce que je voulais à un moment donné, je me voyais mal prendre une guitare et essayer de jouer alors que je n'ai aucun talent musical. Par contre, je me suis dit, bah tiens, je parlerais bien de talent justement, parce que on a cette fâcheuse tendance à imaginer qu'un écrivain, c'est une personne bourrée de talent. Que quelque part, il a la science infuse, ou il a un truc un peu divin qui arrive comme. Et cette inspiration est une matérialisation divine qui fait qu'il doit absolument écrire et que tout sort de son bic de manière extrêmement organisée, structurée. Et j'aimerais bien un petit peu faire une croix là-dessus. Donc, être écrivain, ce n'est pas avoir du talent, premièrement. Tout qui a envie d'écrire et ressent le besoin d'écrire peut le faire. Et j'insiste là-dessus parce que bah, j'anime moi-même des ateliers d'écriture et j'essaye vraiment de, quand ce sont des adolescents, quand ce sont des adultes, d'éviter d'avoir un complexe face à la production de l'écriture. Maintenant, on est bien d'accord que ça ne veut pas dire que le métier d'écrivain n'est pas un métier qui demande du travail, au contraire. Le fait qu'on ait une fibre littéraire, c'est une chose. Mais il faut pouvoir retravailler son texte, réviser son texte, essayer de l'améliorer. Et tant qu'on n'a pas l'envie de faire ça, ça sert à rien, en fait. On peut tous avoir des messages à proposer, on peut tous avoir des idées et des choses à partager. Si on se dit qu'à un moment donné, on a écrit un texte et qu'on en est satisfait, c'est un problème déjà, hein, mais qu'on en est satisfait et que, il est bon comme ça, sans doute qu'on loupe vraiment une grosse partie du travail d'écrivain, qui est le fait de pouvoir publier un texte qui soit adapté à un public et donc qui permette la rencontre avec le public, ce qui demande un travail à toute épreuve. Donc je voulais absolument vous dire que non, on va arrêter avec cette idée de poète maudit, l'écrivain doit avoir vécu des choses horribles dans sa vie pour avoir des messages à faire passer. Un écrivain, quelqu'un qui va mal en permanence et donc qui doit extraire ses mauvais démons par l'écrit. Non, il faut vraiment arrêter avec ça, hein, ça date d'un autre siècle. On est d'accord qu'un écrivain peut être une personne saine d'esprit. Ok, même s'il écrit des thrillers et des choses qui ne sont pas toujours très bonnes, si ça se passait dans la vie évidemment. Mais je pense vraiment que il faut arrêter de parler de talent, de supériorité divine qui vient comme ça. Le temps restant sera consacré à toutes vos questions. Alors si vous êtes sur Discord, ben, n'hésitez pas à les écrire dans la chatroom. Vous avez tout compris. Je m'accorde la première, parce que c'est comme ça. Tu as publié 5 livres,
si mes comptes sont exacts. Et le premier a 18 ans. Et ça rejoint un petit peu ta boîte blanche. Ça en fait probablement rêver plus d'un. Est-ce que tu as toujours eu ce rêve en toi, à défaut d'équitation, d'écrire des livres et de les publier? Ouh, est-ce que j'ai eu ce rêve en moi? Je ne sais pas si je rêvais d'être publiée. Je pense pas. En fait, j'écrivais beaucoup et un jour, j'ai eu un texte qui était suffisamment long et conséquent que pour m'encombrer. Je ne sais pas si vous comprenez l'image que c'est, mais c'est vraiment un texte qui était long, qui était presque fini, et ça m'encombrait de ne rien faire avec cette histoire-là. Et donc je suis allée un petit peu malheureuse en parler à mon directeur de l'époque, qui était Monsieur Armel Job, hein, certains connaissent sans doute. Enfin, je dis, je suis allée lui parler. Je me fais pousser des ailes et je vous fais croire que je suis très courageuse. Je ne suis absolument pas courageuse. J'avais 16 ans, je lui ai écrit une lettre chez lui. Okay, donc je l'ai postée pour qu'elle arrive chez lui. J'avais trouvé son adresse dans le bottin. Parce que je n'imaginais pas pousser sa porte en tant que directeur et lui dire, Hé, monsieur, en fait, j'ai écrit un livre, je ne sais pas quoi faire. Donc je lui ai envoyé du courrier, hein, j'ai essayé de bien écrire ça et en lui disant que je ne savais pas si il fallait faire quelque chose une fois qu'on a terminé d'écrire ce qui pourrait être un livre. Et donc la semaine suivante, ce qui a été absolument génial, c'est que les éducateurs sont venus me chercher en classe en me disant Amandine, tu dois absolument aller dans le bureau de Monsieur Job, il a demandé que tu y passes à la récré. Et là, je suis devenue l'égérie de la classe, la fille qui avait apparemment fait quelque chose de super mal, au point d'être convoquée dans le bureau du directeur, quoi, vous imaginez. Au niveau de ma popularité, ça en a pris un gros coup quand même. Et donc je suis allée dans son bureau et c'est là qu'il m'a dit, qui ne tente rien n'a rien, le meilleur moyen de ne rien en faire, c'est de ne pas essayer d'en faire quelque chose. Et donc lui, il a lu, m'a dit qu'il y avait quelque chose de brut à décortiquer, à analyser, à travailler, et il m'a donné deux, trois noms de personnes avec qui peut-être retravailler mon texte. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai eu de la chance parce que j'ai été pistonnée, clairement, hein. Il faut dire ce qui est. Je ne me suis pas faite toute seule. C'est malheureux parce qu'il y en a des centaines qui se disent que peut-être qu'en envoyant leur roman à une maison d'édition, elle le répondra positivement et bam, ça va prendre un essor de fou. Ben ça arrive dans très peu de cas, malheureusement. Mais donc, ouais, moi, je n'ai aucun mérite pour ça. Alors, t'as quand même du mérite, même beaucoup, mais tu es modeste. Ça fait ton charme aussi. Je sais que bah, de nombreuses personnes dans la boîte aiment les bons petits plats. Et tu as travaillé sur un livre qui mélange les saveurs littéraires et culinaires en 2013. Est-ce que tu peux nous dire comment est né le Prestidigi Saveur? Oui, donc Prestidigi Saveur, en fait, c'est une idée de l'éditrice de chez Memory, qui voulait, l'éditrice de l'époque, hein, maintenant elle a changé, qui voulait absolument allier deux arts. Et pour elle, la littérature pouvait se mêler avec l'art culinaire. Elle voulait absolument sortir une collection dans laquelle on allait travailler de consort avec un chef. Donc elle m'a demandé si je voulais participer à cette collection. Donc là, c'est ce qu'on appelle une commande dans le métier. Donc c'est-à-dire qu'on n'écrit pas ses propres projets, mais qu'on va répondre à la commande d'un éditeur. Moi, j'étais plutôt enthousiaste, d'autant que j'allais découvrir un bon restaurant, donc c'est toujours chouette. Et l'objectif, c'était donc de rédiger une intrigue qui se déroule dans le restaurant en question, pour en retracer l'ambiance et donner l'envie au lecteur de s'y rendre. Mais également d'intégrer 5 à 6 recettes du chef dans l'intrigue, en fait. Donc ça, c'était quand même quelque chose de costaud, surtout qu'à l'époque, enfin, j'avais répondu qu'à une commande, c'était la deuxième, donc je ne savais pas exactement à quelle sauce j'allais être mangée, c'est le cas de le dire. Mais ce roman a permis une chose, c'est que pendant une semaine complète, j'allais manger à la Gloriette tous les soirs. En fait, j'avais demandé à Olivier Bauche de me laisser une table dans un coin pour que je puisse vraiment m'imprégner des lieux, ressentir ce qui se passait, voir comment les gens se comportaient quand ils étaient là. Et je lui avais dit, surtout, tu me sers rien, tu me laisses juste écrire, j'ai juste besoin de m'imprégner des lieux. Et évidemment, il m'a amené des plats, et des plats, et des plats. Je crois que j'ai pris 3 kilos, hein, cette semaine-là, c'est sûr, c'est certain. Mais j'ai goûté des trucs fameux, quoi.
Et moi qui à l'époque voilà, sortais de ma vie étudiante et donc me faisais gentiment une boîte de raviolis quand j'avais 2 minutes pour cuisiner, là je me suis rendu compte que la cuisine c'était tout à fait autre chose. Et donc j'ai participé à des ateliers culinaires chez lui parce qu'il donnait des ateliers. Ça, vous retrouvez un best-of à la fin de Prestidigi Saveur, le bêtisier d'Amandine dans les cuisines, parce que j'ai fait beaucoup de dégâts en fait. J'ai appris, enfin. Je connaissais le matériel de base d'une cuisine, mais du matériel professionnel, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Donc forcément, j'ai voulu tester, je ne voulais pas trop demander qu'on m'aide et j'ai fait beaucoup de bêtises. Mais donc ça m'a permis vraiment de me mettre dans l'esprit d'un chef, de savoir comment faire pour concocter des petits plats qui plaisent à des personnes. Et donc si vous voulez découvrir ce livre, ben, l'intrigue est simple. Vous avez Vika, une jeune femme qui est d'origine étrangère, qui rencontre un homme qui s'appelle Thomas, et cet homme l'invite au restaurant. Sauf que elle, ben, de prime abord, elle est plus séduite par la cuisine que par Thomas en question. Et donc vous avez une petite intrigue rigolote, légère, qui se déroule dans cette ambiance-là. Et alors si ce n'est pas l'histoire de ce roman qui vous intéresse, il faut savoir que dans les recettes, à la fin, il y a le caprice de Milo, de William, qui est juste une grosse tuerie. Donc il s'agit d'un moelleux au chocolat avec un cœur fondant à la poire. Et ça n'a absolument rien à voir avec le lait de chèvre alcoolisé du Kirghizistan. Je vous jure, il faut que vous essayiez cette recette, elle est majestueuse. Eh ben, tout de suite, voilà, c'est beaucoup mieux comme recette. Entre Prestidigi Saveur dont tu viens de parler et Dernier Fragment d'Innocence, ben, de nombreuses années se sont écoulées, puisqu'on fait un bond de 2013 à 2021. Alors, ma théorie, mais c'est la mienne, c'est que tu attendais que la boîte existe pour sortir un nouveau roman, mais je pense que ça ne doit pas être la seule raison. Qu'est-ce que tu faisais tout ce temps, à part voyager, évidemment? Eh bien, il faut savoir que j'ai commencé à travailler. Et aussi étrange que ça puisse paraître, ça prend du temps de travailler. C'est pas évident, il faut se mettre dans une routine, etc. En fait, j'écrivais énormément en étant étudiante, parce que là, je vais faire du mal à beaucoup de monde, mais j'avais pas besoin d'énormément étudier. Voilà, j'ai une bonne mémoire, j'entends les choses, je les retiens, surtout si ça me plaît. Et donc, ça me prenait pas énormément de temps, j'avais beaucoup de temps à côté pour pouvoir écrire, etc. Et puis après, je me suis mise à travailler et vu que je suis professeure dans l'enseignement secondaire, je suis prof de français et de géographie. Mais les préparations, c'est un travail artistique et un travail créatif intéressant. Et je prenais beaucoup de plaisir à préparer mes cours. Alors, on a beau dire que les profs ne bossent pas, hein, qu'ils ont plein de vacances, etc., etc. Je vous promets qu'être prof les premières années de sa carrière, ça, c'est plus de 40 heures par semaine. Donc, ça, comme ça, je fais un petit rappel, hein, pour tout ce que la société pense de bon à propos de nous. Mais au-delà de ça, il faut savoir aussi que bah, j'ai déménagé 2 fois. À chaque fois que je déménage, il me faut le temps de retrouver un espace où écrire, un vrai cocon dans lequel je me sens bien. Et puis il y a eu des projets que j'ai commencé, que j'ai pas continué. Il y en a dans les projets, il y en a 2 qui sont écrits hein, jusqu'au bout, mais que je vois pas l'intérêt de les publier en fait. C'est difficile comme développement. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais vous voyez quand vous écrivez quelque chose et que vous le laissez mûrir, vous le relisez quelques mois plus tard. Vous vous dites, mais attendez, j'ai tellement grandi depuis, est-ce que ça valait la peine d'écrire ça? Et donc, il y a certains textes que j'ai écrits, je me suis dit, bon, ça vaut peut-être pas la peine, je ferai de meilleures choses, j'ai peut-être pas besoin de publier ce texte-là. Voilà. Je vais répondre aux questions qui se trouvent dans le Oui. chat, mais je vous avoue qu'il commence à faire noir et Oula, j'allume une lumière. je suis ébloui. Vous me verrez peut-être un peu. Je vous ai ébloui. Vous Mais voyez ça ça? me fait beaucoup rire Là, parce vous que dites, oh, elle ressemble à ça. je suis Ouais. dans le noir aussi et je vais rester dans le noir. Et ça, c'est positif, c'est mon privilège, vois-tu. Mais je te propose la question de Ouais, c'est ça. Fanchon, quels sont les titres des autres livres que tu as publiés? Bah écoute, je propose de mettre les couvertures et que tu nous en dises un mot. Le premier roman que j'ai publié s'appelle Piétiner, larmes et silence. Donc, c'est le fameux roman que j'ai publié quand j'avais 18 ans.
On est avec Maître Devard, qui est une avocate spécialisée dans les droits de la jeunesse et qui va se retrouver confrontée à une histoire qui lui rappelle son passé, les abus qu'elle a pu subir et qu'elle avait occultés jusque-là. Et le fait de faire face à cette jeune fille qui est en mal de vivre et qui a besoin de quelqu'un pour l'aider et pour la remettre sur pied, ça va lui faire remonter certains souvenirs, mais lui permettre aussi d'avancer dans la vie et de pouvoir faire le deuil d'un certain passé. Le deuxième, c'est Tendre Démence. Donc là, on reste dans le côté psychologique, vous voyez mes grands tourments d'adolescente à l'époque. Donc Tendre Démence, je l'ai écrit entre 18 et 19 ans. Il faut savoir que j'avais fait mon travail de fin d'études en réto sur la notion de folie. Okay. Parce que moi, ça m'inquiétait très très fort de qu'on puisse dire que telle ou telle personne était folle, ça va, alors qu'en fait, elle correspondait juste pas tout à fait aux normes de la société. Et donc, je me dis, du point de vue de ces fous, entre guillemets, est-ce que nous, on est tout à fait normal? Enfin, voilà, donc je me posais énormément de questions par rapport à ça, c'était très philosophique comme type de question. Et ça fait que j'ai écrit une histoire qui se déroule dans un hôpital psychiatrique. Vous avez le personnage d'Héloïne, qui est une jeune femme indépendante, qui va subir plusieurs traumatismes dans sa vie personnelle, qui vont la pousser à prendre un peu de repos. Et elle entre à l'hôpital du jour blanc, hôpital dans lequel elle va rencontrer Néhémie, qui lui est un homme qui est tout à fait instable, qui a toujours vécu à l'hôpital parce qu'il a une psychose importante. Et la relation entre les deux va commencer par une gifle. Je vous en dis pas plus. Le troisième, c'est L'attente. L'attente, c'est un roman qui répondait aussi à une commande des éditions Weyrich, de proposer des livres pour des faibles lecteurs. Donc des lecteurs débutants, par exemple des primo-arrivants, des personnes qui n'ont pas été alphabétisées jusqu'à la fin de leur scolarité. Et donc pour ces personnes-là, généralement, dans les cours de français, on leur donne quoi? On leur donne des livres pour enfants. Et c'est pas toujours ce qui est le plus valorisant quand on est adulte et qu'on cherche à apprendre à lire. Donc l'objectif, c'était d'épurer la langue pour proposer une histoire qui est somme toute intéressante. Ça a été un gros travail et vraiment intéressant de pouvoir se dire qu'il y a tellement, tellement, tellement d'obstacles dans la lecture du français pour des personnes qui sont lecteurs débutants. Petite question sur tes livres, puisqu'on a vu les cinq couvertures, est-ce qu'on peut encore se les procurer? Et comment? Dis-nous tout. Oui, donc vous pouvez encore vous les procurer. Mais déjà, si vous êtes adepte du fait de commander en ligne sur le site des éditions Memory, vous pouvez commander Prestidigitateur et Saveur et Dernier Fragment d'Innocence. L'attente est disponible aussi chez Weyrich. Maintenant, chez votre libraire, il y a moyen de commander les trois sans problème. Le seul souci, c'est pour les deux premiers. Donc, c'est pour Tendre Démence et Piétiner l'Armée Silence. Parce que voilà, les éditions du Chemin ont fait faillite suite au Covid. Donc, j'ai récupéré le stock d'exemplaires qui restaient. Donc, si jamais vous avez un de ces livres-là qui vous intéresse, vous pouvez très bien me contacter via ma page auteur sur Facebook. Et voilà, je peux vous envoyer des exemplaires directement chez vous. Parce que pour le moment, ils ne sont pas disponibles en librairie. Et ce seront donc des collecteurs, n'hésitez pas. Ouais. J'ai une dernière question parce que je t'avais promis d'être le gardien du temps et ben, il passe très vite, malheureusement. Quels sont tes projets? Mes projets littéraires? Oui, Tout ce que tu veux. j'imagine. Oui, on va dire ça. Oui. Mais mes projets littéraires déjà sont de faire vivre Dernier Fragment d'Innocence parce que bah, vous vous en rendez compte, il a été publié pendant une période difficile pour tout le monde. Donc pendant la période Covid, on n'a pas encore eu de salon littéraire en vrai, hein, en virtuel, c'est déjà bien, mais on n'en a pas encore eu en vrai. On a eu des petites séances de dédicaces, mais pas à grande échelle. Donc j'aimerais vraiment pouvoir lui donner une certaine promotion parce que pour le moment on n'a pas rencontré énormément de lecteurs pour ça. Et après ça, bah oui, j'ai d'autres projets. J'avoue que je suis extrêmement contente que l'intrigue policière de ce livre fonctionne parce que ça m'encourage à continuer dans ce genre.
Nos 60 minutes s'achèvent déjà. Amandine, merci beaucoup pour cette heure dans la boîte. C'était un plaisir. Pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la boîte où se trouvent les replays de nos soirées, c'est gratuit. Et à nous rejoindre sur Discord et Facebook, c'est gratuit aussi. Tous les liens utiles sont disponibles dans la description des vidéos sur YouTube. Parlez de la boîte autour de vous un maximum, commentez, mettez des j'aime, des cœurs, des pouces bleus si vous aimez ce qu'on fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres moments à ne pas rater. D'ici là, merci de lire, merci d'être curieux. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite une très très belle fin de soirée.